Salut bien friends, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo. La dernière fois j'ai fait un petit article pour expliquer comment déguster une bière dans la règle de l'art. Si vous ne sentez pas votre bière, vous perdez 90% de l'intérêt de la dégustation. Donc tout ça pour dire que il y en a peut-être qui disent, c'est quoi ce truc là, c'est peut-être un peu beaucoup, 90%, il se fout de notre gueule le gars, c'est par la bouche qu'on l'avale, c'est pas par le nez. On va s'amuser à faire une petite expérience ensemble, vous pourrez tester ça à la maison. On va s'amuser à tout simplement se pincer le nez, comme ça. Donc on va faire l'expérience, je sens qu'il y a un petit peu d'amertume, mais c'est pétillant, ça je le sens, évidemment l'effervescence c'est au palais qu'on le sent. Je sens qu'il y a un petit peu d'amertume puisque ça sèche à la fin. Je sens aussi que c'est un peu sucré, mais j'ai vraiment du mal à deviner les arômes quoi. Je peux arriver à deviner un peu la chocolatée, mais c'est pas évident. Alors maintenant je vais redéguster, mais en attendant de me pincer le nez comme un con. Je vais en profiter donc du coup forcément pour sentir. Voilà. C'est bluffant, c'est frappant. De suite, je retrouve tout. Je retrouve mon palais, je retrouve mon goût. Et c'est pas par miracle que ça se passe. C'est tout simplement qu'il y a un système de rétro-olfaction quand vous dégustez une bière ou quand vous dégustez un vin ou peu importe ce que vous dégustiez. Donc en fait, votre voie rétro-nasale et orthonasale, elles sont tout simplement liées à l'arrière. Ce qui fait que si vous n'avez pas senti la bière auparavant, ben vous n'allez pas pouvoir la tester, vous n'allez pas du tout pouvoir goûter et découvrir les arômes qu'il y a dans la bière. Donc là, facilement, j'apprécie de suite beaucoup mieux la bière avec des notes fruitées, du coup, je vais plus loin dans l'amertume, je sens les notes herbeuses, du houblon terreuse, un petit peu, limite terreuse justement. Et puis je vais sentir un peu les notes chocolatées là qui sont restées là avec les côtés fruits noirs là, on a beaucoup de, et même un peu de date. Enfin bref, on sent beaucoup plus de choses quand on a senti auparavant. Donc si vous voulez déguster une bière dans les règles de l'art, n'oubliez pas de la sentir avant. Allez, cheers les beer fans, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et puis à bientôt pour une nouvelle dégustation. Révolution.